the freestyle prank. Bien quoi l'équipe, ça va? Vous avez vu? Aujourd'hui on n'est pas dans un terrain de foot, on va vous faire un truc assez spécial, assez nouveau, vous allez voir, ça va être cool. Pour ce prank, il y aura 4 rôles. Le premier, le journaliste. Le deuxième, le caméraman. Le troisième, le freestyler. Et le quatrième, ce sera un complice qui se fera passer par un inconnu. Mais en réalité, l'inconnu, c'est un freestyler de la Team S3. Et ouais les gars. Ce qui va se passer, c'est que le journaliste va aller voir des inconnus dans la rue accompagné du freestyler en leur proposant un jeu pour gagner la somme de 100 ou 50 euros. À ce moment-là, le passant, pensant qu'il peut gagner 50 ou 100 euros, il se met le doigt dans l'œil. Et si vous étiez impatient, vous pensiez que vous y arriveriez, hein? Vous penseriez que vous feriez pas piéger? Eh ben, hey, let's go. Let's go. Mesdames et messieurs, bienvenue à Paname. Là, on est sur la place de la République, on va commencer ici, on va aller voir les gens un par un. Je suis accompagné de mon champion de freestyle, monsieur Aniazou. Annie, t'es chaud? Je suis chaud, comme d'habitude, hein. Vas-y, c'est parti, let's go. Laisse-moi trouver la bonne tête, t'inquiète pas que je vais la trouver. Excuse-moi, chef. Deux minutes. Ah, t'as pas le temps. Inch'Allah, tu rates ton métro. Allez, let's go, on va trouver. Salut les gars, ça va? Pépère. Bon, on a deux mecs qui sont venus nous voir directement, ça commence bien. Ok les gars, c'est un petit jeu autorisé par la chaîne S3 Freestyle. Ok, donc vous pouvez vous présenter, comment t'appelles? Riyak, Thomas. On vous offre la chance de gagner 50 ou 100 balles, d'accord? Oh 50 God, balles, pour chaud, commencer. Le jeu il est gratuit, vous avez rien à payer, ouais, ok? C'est quand là. Vous êtes des gens professionnels là. Non, attends, regarde, c'est ça le problème. J'ai même pas commencé à expliquer les règles et le mec il dit que vous êtes des professionnels. J'ai à côté de moi Annie, qui est freestyler professionnel, oui. Mais c'est pas lui que vous allez affronter, d'accord? Annie, il va vous montrer un geste que vous allez devoir réussir à reproduire. Et après, on va prendre quelqu'un au hasard dans la rue et il va essayer de le faire lui aussi. Si la personne, elle y arrive, c'est lui qui remporte l'argent. Si c'est vous qui arrivez, c'est à vous qu'on le donne. Mon gars, ok? Montre-leur un vrai geste. Voilà. Ok, voilà, ça c'est le double. Si vous y arrivez, les 50 balles, ils sont pour vous. Oh là là. Ça s'annonce compliqué pour nos deux protagonistes. Okay, pas mal. Bonjour monsieur. Désolé de vous embêter. Comment vous appelez monsieur? Ismaël. Ismaël et vous? Farid. Farid, désolé de vous embêter, c'est pour une vidéo pour la chaîne S3 Freestyle. On vous offre la chance de gagner la somme de 50 euros. Vous avez absolument rien à faire, c'est gratuit. 50 euros. On avait Briac et Thomas, si je me souviens bien, qui nous ont montré quelques skills, c'était pas mal. Maintenant, on va falloir faire mieux qu'eux. Bon, lui, il fait peur, lui. Lui, il a l'air déter, il t'en trop. C'est vrai qu'il a un peu le swag, il a un peu le swag du footballeur. Vas-y, c'est parti, c'est à vous. Oh, attention. Pour l'instant, ils sont toujours en tête. Aïe. Pour l'instant, qui gagne d'après vous? Pour l'instant. Pour l'instant, c'est eux qui gagnent. Ok. Pas mal. Pas mal. Oh là là. Bien joué quand même. Et bien joué à vous deux, messieurs, quand même. Ça fait si. Il m'a mis. Bon, allez, on va trouver la prochaine cible. Allez, viens. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous appelez comment? Je m'appelle Khalid. Khalid? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez gagner 100 euros? Est-ce que vous voulez gagner 100 euros? Si j'ai la chance. Vous pouvez? Oui. Nous avons le champion de France de freestyle football. Oui, c'est un bon joueur, oui. Oui, c'est un bon joueur, oui. Il va vous montrer un geste. Oui. Et vous devez essayer de le reproduire. Trafalgar, tu nous montres le geste? D'accord. Le geste que je vais vous montrer, il est super simple, ça s'appelle le tour du monde. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Oui. Oui? Oui. Okay. Oui, il faut essayer. Il s'est jonglé. Eh hey. Et ça va? C'est pas loin du tout. Eh hey. Eh hey. Il reste la dernière. Troisième essai. Eh hey. C'est pas mal. Est-ce que vous êtes fier de vous? Oui. Moi je vais choisir quelqu'un d'autre. Est-ce que je dérangerai le mec au téléphone là? C'est marrant de déranger quelqu'un au téléphone. Non, laisse tomber. Non, je vais prendre quelqu'un au téléphone. Monsieur, excusez-moi. Je vous offre la possibilité de gagner 100 euros. Ça vous intéresse? Bah ouais, 100 euros. 100 euros, c'est chaud. Est-ce que vous savez un peu jouer au foot? Ah, pas du tout. Lui, il est champion de France de freestyle football. Monsieur Khalid, ici présent, a eu 3 essais pour faire un geste que le freestyler ici lui a montré. On peut essayer pour 100 euros, on peut tout faire. Hein. C'est ça. Je connais. D'accord. Un meilleur freestyler que vous tous. Ça, c'est sûr. Il y a un jeu. Passe-moi le ballon. Tu vas faire partie du jeu. Si tu le fais mieux que lui, ou bien que tes potes, c'est toi qui gagnes les 100 balles.
c'est bon. Toi, tu veux gagner les 100 balles? Vas-y, moi je joue, moi. Ok. Allez, main dans les poches, ça va être compliqué. Il sait bien jongler. C'est sûr. Et là, c'est le tour de l'Europe. Un nouveau participant. Tu t'appelles comment? Rachid. Rachid. Ah, les gars. Tour du monde. C'est pas mal. Maintenant, on regarde le dernier participant, celui qui fait le meilleur. Comment tu t'appelles? Andreas. Andreas, t'as 3 essais. Bon, lui aussi, il sait jongler apparemment. Ah! Pour le moment, t'as les 100 balles, ma gueule! Oh, il a continué à jongler! T'as dit quoi? Il a pas gagné 100 euros, il a gagné 100 000 euros là! Andreas, je pense que c'est toi qui as gagné 100 balles. Vous êtes d'accord avec moi là? Bonjour mesdemoiselles et messieurs, est-ce que ça vous intéresse de gagner 100 euros? 100 euros ça vous dirait? Tu t'appelles comment? Lola. Lola? Moi je m'appelle Leonardo. Manon. Manon. Là on a le double champion de France qui va vous montrer un geste. Celui qui arrive le mieux. Leonardo. Celui qui arrive le mieux gagne 100 euros. Vrais 100 euros. Genre vrai 100 euros quoi. C'est celui qui le fait le mieux, c'est-à-dire t'es pas obligé de le réussir. Toi tu t'appelles comment? Bachir, tu fais quoi dans la vie? Je suis à l'école. T'es à l'école? C'est bien, on dirait que t'es pas content. Ça va ou quoi? Viens, hey, je te fais gagner 100 euros. Allez, Leonardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wouh! Franchement, Leonardo, il est chaud pour gagner. Eh, Karim, il est chaud. Karim, il est très chaud en jongle. Maintenant, va-t-il réussir la figure? C'est au tour de Bachir. Allez, Bachir. Oh Bachir! Monsieur, avancez-vous, vous appelez comment? Yanis. Vous venez d'où? Bah de Paris, là à côté, j'ai le tour. Vous faites quoi dans la vie? Bah pas grand chose. Oh le chômeur. Soit tu le fais comme ça, soit tu le fais comme ça. Eh, hey, vous pensez qu'il va réussir ou pas? C'est le dernier participant. Vous stressez là. La tension est à son comble. Ah l'enfoiré. Là il est bien en compensant, si tu veux, tu vois, 10 euros, c'était... Je crois que t'es chômeur, wesh. Bah je sais pas, si je touche un peu au foot, mais voilà, c'est pas un truc. C'est un mytho, lui. Ah, il a sauvé. Ah, il est chaud. Vous avez trouvé ça comment? Franchement, Leonardo, il a géré. Ouais, mais lui, c'est un mytho, lui. Ouais, c'est un mytho de ouf, franchement. Eh, les copines, en vrai, regardez, je vais vous embêter 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Regardez, j'ai un petit jeu à vous proposer, vous avez la chance de gagner 100 balles. Nous, on est youtubeurs et la vidéo, elle est sponsorisée. D'accord. C'est pour l'argent. Tu vois, ça va vite. C'est quand... Enfin, tu vois, dès que tu commences par là, ça va tout de suite. Il veut m'afficher sur Internet. Andreas, va falloir que tu remontes un truc simple, d'accord? Gentleman, mec. Voilà, c'est tout. Allez, ça va, montre-nous ce que tu veux. Nine. Les communes, elles sont pas trop cordas. Allez, Geneva, Toto. 1, 2. Elle a 2. Premier essai. On va prendre un des deux arabes là. Allô, monsieur. Allô. On a le champion de France qui va vous montrer un jeu, un geste. Il va falloir réussir à le reproduire. C'est un arabe. Montre un truc plus technique. Non, attends. Un seul geste. Carré, elle, c'est juste des jongles. Ah, mec. Un tour du monde, elle a fait deux d'un coup. C'est le jeu. Non, on va avantager les demoiselles. Voilà, il a pas fait. C'est fort, ouais. C'est toi qui choisis. Là, il y a deux tours. Voilà, ça j'avoue, c'est chaud, ça. Il y a discussion. Elle a dit c'était en avant. Et là, il les a fait sur le côté. Il a pas que tu as fait. C'est vrai, mais ça fait deux tours quand même d'un côté. Attends, tu vas prendre son nom, son prénom, son adresse et après on le reverra tout à l'heure. Yo, c'était la Team S3. Et voilà, la vidéo est terminée. Voilà, on espère que vous avez kiffé. Merci à Justface de nous avoir prêté son petit mic. Merci. Voilà, qu'est-ce que tu as rajouté? C'était bien. C'est super. C'était une bonne expérience de voir les gens dans la rue, on n'a pas l'habitude de faire ça, j'espère que vous allez kiffer ce nouveau concept et voilà quoi. Non, en vrai, dites-nous si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, parce que nous, ça nous fait taper des barres de sortir du terrain de foot et d'essayer de nouvelles choses. Et de garder l'argent.
En attendant, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout, abonne-toi. Oui, monsieur. Allez, abonne-toi, wesh, abonne-toi, wesh.